Salut à tous, je m'appelle Fabien Cloutier et je présente mes spectacles Cranbourne et Scotstoun. Puis les dates, puis les soirs, puis les heures, on va tout mettre ça en lien à la fin. Pour sortir de la capsule traditionnelle, j'ai décidé qu'à la place, on allait faire ensemble un canard. Pour faire notre canard aujourd'hui, ça nous prend un canard. De l'ail, ça en prend assez pour que ça goûte. Ça te prend des pommes, des tomates, ça te prend aussi de la bière, au moins deux. Ça t'en prend une pour cuisiner. On va cuisiner le canard avec une saison du tracteur. Un petit quelque chose aux agrumes dans ça, mais que personne cochonne mon canard avec de la bodelime. Ça t'en prend une pour la broire, puis ça t'en prend une qui va aller dans le canard tantôt. On va faire un petit peu de goût. J'ai coupé de l'ail, du thym. Okay. J'envoie les 3-4 branches là. C'est ça, style amateurisme. Le téléphone sonne pendant qu'on tourne. T'en mets en masse. Pas que je me trompe avec mon pote. Un peu d'huile d'olive là-dedans pour aider. Puis il peut rester des gros morceaux. Je prends ça ici. Puis je mets ça. Ok, j'essaye de l'emporter à peu près partout. On s'essuie les mains là-dessus. Ça fait le tour de ce qu'on peut dire sur une pomme. Ah, je pourrais peut-être dire c'est le temps des pommes. Allez donc aux pommes. C'est tellement une belle sortie à faire en famille, en plus, les pommes. Vous me voyez mettre des affaires dans le chaudron depuis tantôt, mais de quoi ça a l'air dans le chaudron? Ça fait à peu près ça. Autour de 300. Peut-être 275, là, quelque chose de même. Je vais le faire cuire là, un vrai 4-5 heures, là, très lentement. C'est quasiment déjà fini. On a beau chercher, là, puis se faire des grands discours. Tu te gosses un peu dans le canard. Si c'est tendre, il est prêt. Bon appétit.